Les Yoga Sutras de Patanjali. Traduction de Jean Bouchard d'Orval. Chapitre 4. La plénitude. Nous pouvons posséder des pouvoirs surnaturels innés. Nous pouvons aussi les acquérir au moyen de drogues. En récitant des mantras, par l'ascèse ou par le samadhi. Tout changement d'état est le débordement du trop-plein de la nature en déploiement. Les causes apparentes d'un changement ne sont pas vraiment motrices. Elles ne font que briser les obstacles à l'évolution naturelle, tout comme le fermier ne fait qu'aider la nature. Tout mental n'est que la création de l'ego. Bien que chaque mental agisse différemment, tous agissent sous l'impulsion du champ mental unique. De ces mentales, seul celui qui médite parvient à se libérer du cycle des désirs. Les actes d'un être illuminé ne sont ni blancs ni noirs, ceux des autres sont triplement colorés. Les seuls désirs qui se manifestent sont ceux dont la réalisation portera à maturité les tendances mentales résiduelles. Les tendances résiduelles ne sont ni plus ni moins que des souvenirs. Ceux-ci forment les tendances qui agissent en nous d'une façon continue dans le temps, dans l'espace et à l'occasion des incarnations successives. Les désirs remontent à la nuit des temps, car la soif de plénitude est éternelle. Les désirs sont perpétués par l'asservissement du mental aux objets de son attention. Il s'agit d'un cycle de causes et d'effets. L'élimination de cet asservissement entraîne la disparition des désirs. Le passé et le futur ont une réalité. Ils sont le résultat des chemins évolutifs différents des formes manifestées. Les caractéristiques manifestées constituent le présent. Celles qui ne le sont pas forment le passé et le futur. Toutes sont le jeu des énergies fondamentales. L'état particulier d'un objet est l'expression de l'unicité d'une certaine combinaison des énergies fondamentales. Deux objets identiques paraissent différents à cause des façons différentes dont ils sont perçus par le mental. L'existence d'un objet ne dépend pas de sa perception par un mental individuel. Sinon, qu'est-ce qui existerait quand l'objet n'est pas perçu par ce mental?
On perçoit l'objet uniquement lorsque celui-ci colore le mental. Le mental et toute son activité sont toujours perçus par leur créateur, l'immuable esprit. Le mental ne s'éclaire pas lui-même, il est éclairé. C'est pourquoi il ne peut être à la fois conscient de l'objet et de lui-même. Si le mental était éclairé par un autre mental, il faudrait alors une infinité de mental, avec une inéluctable confusion des impressions enregistrées. La connaissance de soi apparaît quand le mental assume une forme immuable. Le mental, coloré à la fois par la conscience et par l'objet, connaît tout. Malgré ses tendances innombrables, le mental existe pour le soi, car il n'en est pas séparé. Celui qui perçoit la distinction réalise la conscience du soi et n'entretient plus aucune interrogation à son sujet. Dès lors, le mental maintient une propension continue au discernement et il est irrésistiblement attiré par l'unique réalité. Toute autre pensée qui se glisse alors dans le mental n'est que le résultat des impressions résiduelles. Nous pouvons les amener au repos de la façon décrite pour les obstacles. Celui qui vit en permanence dans le discernement ne ressent plus aucun engouement même pour les plus subtils niveaux intellectuels. Il a atteint le samadhi dit du nuage de vertu. Celui-ci élimine les causes de souffrance et d'asservissement aux actes et au destin. Toute impureté enlevée, la connaissance se révèle être infinie. Le savoir relatif paraît alors bien insignifiant. De ce fait, l'évolution des énergies fondamentales, ayant rempli son rôle, arrive à son accomplissement. L'évolution est la séquence ininterrompue des moments. Nous la comprenons vraiment lorsqu'elle arrive à son terme. Les énergies fondamentales n'ont alors plus de rôle à jouer pour la conscience et elles retournent à leur état latent, originel. C'est la plénitude. La puissance de la pure conscience est ainsi établie dans sa nature véritable.